Oui, c'est vrai qu'on peut d'ailleurs, j'avais... Oh là là, ouh, oui. On pouvait changer les aptitudes, c'est vrai. Augmente la vitesse d'attaque de 7. Allez, vas-y. Augmente les PV, augmente les effets de soins reçus. Oh. Attends, il n'y a pas mieux en vrai. Enfin, tous les autres sont à 10 après. Augmente les dégâts auto, ça on aime bien. Ça règle l'archer, c'est quand même cool. Augmente les dégâts des compétences de 20%, vas-y. Elle en a pas. Il en a plus qu'un. Je peux pas le mettre. Elle en a 0. Ok. Les aptitudes. Oh, on peut équiper un nouvel objet. Très bien ça. Modifier l'unité, ça doit être ça. Non, comment on fait déjà? C'est peut-être là-bas alors, ouais. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir débloquer un petit peu des choses. L'arc, la lance. On va peut-être acheter une lance pour le cher ami. Au niveau des ors. C'est vrai que Bahamut va bien augmenter ses dégâts. A tout caché, succès déverrouillé. Augmente la portée des effets de 20%. Augmente 5000 après quoi. Hein. Oh, brûlure, ça peut être cool. Augmenter de 20%, mais il faut être rang 4, c'est ça, ouais. On est rang 2. Cela dit, par contre, je peux améliorer. Je peux peut-être améliorer Fenrir aussi. Alors, en vrai, on peut augmenter les dégâts, hein. Ça, c'est toujours bon à prendre. Ok. Arbre de compétences, on a 3 points, c'est nickel. On peut améliorer l'assassinat ou débloquer une autre. Attaque sautée. Réduit le coup, ouais. Ah putain, par contre, le temps de recharge du. De anti-bouclier, c'est bien ça. Au niveau des sorts, 100% de chance d'infliger brûlure. Ah. Amélioration rapide aussi. Hop, ça coûte de l'argent et les points de compétence, mine de rien. Bon, a priori, à ce stade, on est bien. Là, du coup, côté thune, on est un petit peu léger pour les armes. Mais oui, normalement, en fait... on peut changer leur capacité. Je sais plus, je me souviens plus. Parce qu'on avait, par exemple avec Iscarion, on avait la possibilité de d'avoir soigné plus de flèches.
Là, on a changé, on a mis assommoir à la place. Je sais plus, il faudra que je regarde ça en haut. Tant pis. Et écoutez, après 1h53, on va pouvoir se repencher sur l'histoire principale. Yes! Stopper les hybrides. Donc les hybrides qui sont des... Une horde d'hybrides est sur le point de renverser une ville en Westfield. L'occasion pour les renards bleus de frapper un grand coup. Vaincre tous les ennemis, tous les alliés vaincus, déterminer... Alors, terminer, stopper les hybrides, ne laisser aucun allié KO, terminer en KO, et on a des coffres à récupérer. This will be the Blue Fox's first long-distance deployment. Expect a major battle. You are to eliminate a demi-human swarm that has laid waste to several Westfield villages. Their path so far suggests that they are set to attack the town of Yulden next. Yulden is located on the Jacquerie Highway that runs westward from Centralfield. It's the most prosperous town in all of Westfield, and an essential stopover for pilgrims and traders alike. Your task is to prevent the swarm from reaching Yulden and ensure that no harm befalls the town. All while the Imperials draw ever closer. There have only been reports of minor skirmishes with the enemy fleet descending upon Targaryen Naval Base. A major engagement has yet to occur. There is still time before the battle truly begins. Time aplenty for you to fulfill this mission. It's just all so underwhelming. There is just as much meaning to be found in defending Yulden as there is in fending off the Empire. Please, I am in no mood for such nonsense. Enough, we must hurry. Westfield, village en périphérie de Yulden. Oh, il y a de la grosse bête. The swarm is larger than I expected. It's unheard of for demi-humans to amass in such numbers. They certainly didn't all gather together by chance. Indeed not. We ought to find out what's behind this. We can think about that later. For now, our priority is eliminating them. Okay. Alors on a des hybrides. Moi je regrette un tout petit peu, c'est qu'on nous montre pas la carte. En fait, on n'a pas la possibilité d'observer la carte après. À la limite pour la première, pourquoi pas, mais à voir si... Non mais je crois pas que même en refaisant l'émission, ils ne proposent pas de revoir la map. Je découvre sur le tas. Ça fait partie du jeu. Si on met Andreas et qu'on met Donovar en coup, il a onde de choc et coup violent, c'est pas mal. Ça permet de récupérer de la vie en plus. Notre ami cavalier, on peut le mettre là. Isler sur Waltakin, c'est toujours bien comme ça, elle a des attaques de corps à corps aussi, si jamais elle est trop embêtée, mais normalement ça devrait pas arriver. Iscarion, là... Iscarion, c'est un peu dommage, mais il a plus de flèches en plus, c'est toujours ça. Mais écoutez, c'est parti. Débuter la mission. Alors, changer d'unité. Lors d'une mission, vous pouvez permuter une unité déployée avec une unité de réserve dans une limite de 3 fois. Faites intervenir les unités au bon moment lors d'un combat pour en tirer le maximum d'avantages. Je pense que... Ouais, éventuellement. Alors... Understood.
Understood. I've got it. I understand. C'est marrant, ils sont pas aussi réactifs là. Understood. On va essayer de se placer derrière en tapant les deux. Voilà. Tu vas te foutre derrière. Ok. Alors, on a la barricade, on a le monstre là-bas. On a que détruire la barricade, tiens. Après, ce truc, c'est que c'est celui-là en fait. Faut pas que je me tape les deux en même temps. Limite, je préfère laisser celui-là en dernier. En fait, comme ça, ça me laisse le temps de récupérer le coffre. Je me focus direct sur les plus gros. Understood. Il y aura peut-être des renforts. On sait pas. I've got it. I understand. Mais viens, mon petit. Understood. Right away. I understand. Si vous faites pas gaffe, tu fais un peu n'importe quoi. Hein. Non, pas un assaut frontal, je vais faire 8 coups. Je vais te concentrer sur lui. Bon, ça touche les deux, c'est parfait. Oh, tu vas faire une formation en éventail sur les deux. Des météores, c'est toujours mérité. 100% de chance de brûlure normalement. Yeah. Tu vas nous faire un petit assassinat. Target eliminated. On évacue un gigas. Étonnamment, je crois qu'il y avait un succès par rapport à ça, mais on l'a pas eu, c'est peut-être à la fin de la mission qu'on l'aura. Understood. I've got it. On my way. Got it. On va chercher le coffre, s'il te plaît. I've got it. Succès déverrouillé, avantage en nature. Ce qu'on a débloqué. Cristal de jade, c'est nickel. Bien, tu vas aller récupérer ça. De toute façon, j'ai du mal à croire que la mission consiste à faire que ça, sachant qu'on a des invocations et tout, je pense qu'il va y avoir des renforts. Les revoilà. This is our first assignment as the Blue Foxes. Staying focused is my. Come on, let's make this quick. Understood. I understand. Let's go.
Attention! Fire! I'll take you down. Ah! That's an attack! Alors, ce qu'on va faire. Very well. Oh, attention quand même. Mange-toi, mange-toi, mange-toi. Toi, il faut que tu recules. Faut que tu recules. Toi, pareil. Parce que là, tu prends un peu cher. Attaque sautée serait pas mal. Oh, le petit assassinat qui passe, nickel. Target eliminated. On my way. I can barely stand. Push forward. Je pense qu'une petite invocation va faire le taf normalement après. Surtout quand on a un assassinat aussi fort. Après, est-ce que je la garde? Ah, on a deux en plus. Oh, ah ouais. Est-ce que j'en ai vraiment besoin en fait? Understood. Very well. Go. Be gone with you. Est-ce que j'avais besoin des invoques ou pas? Next target. Ah bah. Easy win. Oh, on était large encore. I have achieved a greater grasp of my art. Et tout le monde level up. Waltakin encore, hein, qui prend de l'avance. Ok, bah c'était facile. On a pris un petit peu de level avec l'émission secondaire aussi. Je m'attendais guère à être diverti, mais je suis quand même déçu. I'm only glad that Yulden suffered minimal damage and can enjoy peaceful days ahead. Indeed. Now, we had better return to Central Field. There may be news from the front. Trouble? I remain puzzled by the actions of the demi-humans in Westfield. What has driven them to slaughter like this? Forming swarms and attacking settlements in a coordinated way is simply not in their nature. And having fought a fair few of them now, I would also say it is beyond their intelligence. Interesting. Do you mean to suggest that someone is manipulating them? It's possible. We'll have to investigate further. Oh, it's them again. Well, at least we got those demi-humans under our control. Not to worry, though. There's profit to be made from this yet. The Blue Foxes eliminate a demi-human horde that had been launching violent attacks in Westfield. Left with suspicions regarding the horde's behavior, Andreas sends out a scouting party.
It soon emerges that the attacks were instigated by Hadi Solbay of the Aardwolf Thieves. This is reported to the Duke, who orders that the Aardwolves be put to the sword at once. Meanwhile, the knights and mercenaries of Eastfield are mobilized by the Lord's Council, and an army of 11,000 strong gathers at Tagaria Naval Base. The army is led by Alatane's crown prince himself, Ivangar Shatham. With the Imperial fleet looming ominously, the Alatanians prepare to face an imminent assault. Prince Ivangar has set out with his troops to Tagaria Naval Base. The prince is expected to be king one day, and not only because he's the firstborn. His skills are unmatched, while the Mark of the Blessed affirms his right to the throne. Then we shall do our utmost to be of service to him. Because of Levi? Yes. The fact that he has the mark makes me feel that Levi's spirit lives on in him. Well, his ascension to the throne is not set in stone, despite being the most likely candidate. Are you hinting at something? Not at all. The future is unpredictable, that's all I meant. Levi's unfortunate fate is proof of that. True. We can but do our best to deal with what life throws at us. Terminé. Ok. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bien le bonsoir. Retour dans le hub. Oups. Oui, excusez-moi, j'avais coupé la cam. Tout ce qui est quête principale et cinématique et dialogue entièrement doublé. Surtout là, après une mission, je laisse en plein écran. Rias, votre première mission en tant que commandant s'est bien passée, à ce qu'il paraît. Oups. Oh, bother. Je savais que vous aviez du potentiel, mais de là à croire que vous monterez autant les échelons. Right. On m'a dit que nous allions nous en prendre à Hadi Solbay, le chef des Aardwolves. C'est un petit malin, ne soyez pas surpris s'il déjoue notre plan et contre-attaque. Mais avec vous aux commandes et tous les éléments talentueux de l'unité, nous sommes invincibles. I'm counting on you. Comptons sur vous, Rias. Ah bah c'est clair que si on fait toutes les quêtes secondaires avant de passer à l'intrigue principale, oui, on risque d'être un peu fort. Ah bah là, de toute façon, j'ai pas de nouvelles quêtes secondaires. Au pied du mur, parler à Lorraine. Alors je sais pas encore du tout comment je vais faire ça. En vrai, je pense que pour ce genre de jeu, de toute façon, en live, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc je pense que je ferai comme Triangle Strategy. Là, c'était exceptionnel parce que c'est la sortie officielle aujourd'hui. Mais je pense que je repartirai sur le même format que Triangle Strategy, dans le sens où là, il y a énormément de choses. Il y a énormément de phases aussi, beaucoup plus d'ailleurs. Voilà, on doit parler à des gens pour beaucoup de choses secondaires, etc. Donc peut-être que je garderai seulement l'intrigue principale en priorité. Je ferai des petits points un peu comme j'avais fait sur Triangle Strategy en mode voilà ce que j'ai fait, voilà les personnages que j'ai débloqués, puisqu'on a vu qu'on pouvait débloquer des personnages ici. Voilà, de Novar notamment. Dans les quêtes secondaires, donc voilà, je ferai des points de temps en temps et je me focuserai principalement via les vidéos sur l'intrigue principale. Alors, j'ai combien de points de compétence? Un seul point de compétence. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Essayez peut-être d'améliorer petite flèche. Non, pas petite flèche. Petite flèche, ça sert à rien, on l'utilise pas. Ouais, mais en fait, si on veut pouvoir améliorer les autres, si. Pour pouvoir améliorer la sommoire, justement, on est obligé d'abord sur le type. Ah, par contre, si ça inflige lenteur, oui. Vas-y, on va améliorer celui-là. Comme ça, ça va débloquer les autres. Oui, effectivement, là, on pourra peut-être utiliser plus souvent pluie de flèches. Bah, de toute façon, on en a plus.
côté. Amélioration d'invocation. On a 3620, c'est pas beaucoup. Et en vrai, je préfère attendre avant de les améliorer. Même si on a augmenté un petit peu les dégâts de Fenrir et Bahamut. Par contre, développement d'armes, pourquoi pas? Bah, de toute façon, je suis que rang 1, donc... J'ai pas trop le choix. Baguette factice, arbalète... Les griffes, donc il y a différents types d'unités qu'on n'a pas encore débloquées. Mais vas-y. J'aurais de quoi acheter une nouvelle arme. Je sais pas qui en a le besoin de plus là. On a quoi en équipement? Peut-être la lance, non? Il y a quoi comme lance? Ouais, sa lance c'est une plus 18. Là, lui, on lui achète un nouvel arc, c'est bon. Plus 19. Putain, elle a une arme de merde aussi. Ça coûte cher, mon dieu, ça coûte cher. Alors, a priori, la deck qu'on a débloquée est meilleure que celle qu'on a eue avec le bonus de précommande. Oh, déjà. C'est rapide. Après, là, on l'utilise pas énormément pour le moment. On a pris la hache pour Donovar. Ah oh ouais, quand même, la lance, ça peut être pas mal. Bâton aussi. Après, Waltakin, vu les pouvoirs qu'elle a, c'est pour l'instant, je pense que c'est pas elle qui en a besoin le plus. Mais c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup. L'arc, on a pris déjà celui-là, donc c'est déjà pas mal. Et la lance, il a quoi? Une plus 18, bah ouais. Non, bah lui, on l'utilise trop souvent, on est obligé de lui prendre une meilleure arme. Voilà. Il nous reste encore de quoi acheter une. Je pense qu'on va prendre quand même... Ah, j'hésite. Je pense qu'on va prendre le bâton en priorité, parce que Isla, on a une tendance plutôt à l'équiper en soutien. Donc c'est surtout ses capacités qu'on utilise, on l'utilise pas sur le terrain. Donc pour moi, c'est pas la priorité, donc je pense qu'on va prendre Giga Big Bâton pour Waltakin, comme ça sera le personnage le plus cheaté qu'on ait. Hop là. Du coup, ah oui, bah, la hache, oui, la lance, oui, on vend tout ça, bien sûr. Côté potions, on les a équipés, mais on les a pas utilisés. Je vais faire une sauvegarde. Ouais. Ouais, je pense que la meilleure option, c'est repartir un peu comme je faisais pour Triangle Stratégie, parce qu'en fait, je sens qu'il va y avoir énormément de choses à faire en secondaire, et j'ai pas envie de me bloquer non plus à devoir attendre les soirs rouges live pour pouvoir continuer le jeu. Après, je peux faire des variantes, mais bon, on a d'autres jeux aussi en cours, donc on verra. Alors, bah là, j'ai pas trop le choix, j'ai fait toutes les quêtes secondaires, donc... Notre tâche consiste à éliminer les Ardwolves. Un groupe de violents criminels. Leur chef serait lié à plusieurs incidents que nous avons réglés par le passé. Restez bien sur vos gardes. Mission débloquée, la fin des Hardwolves. Il n'y en a pas du tout débloqué de quête secondaire. Ah, j'ai pris de l'avance en fait. Vachement d'avance. Niveau 13, de toutes mes unités sont... oui, ouais, c'est ça. On est trop level. Nous sommes chargés d'éliminer les Hardwolves. Le Lord veut s'assurer d'éradiquer tous les indésirables du royaume. Encore tous les ennemis, tous les alliés vaincus, ne laissez aucun chaos, terminé en 6 minutes et il y a un coffre à récupérer. Plusieurs coffres. Bah, écoutez, on va lancer, j'ai passé en plein écran pour le briefing. C'est parti. Il y a toujours ce clipping sur les cheveux. Je sais pas pourquoi. C'est une option que je dois désactiver pour régler le problème. Our investigation into the demi-human attacks also revealed the Ardwolves to be linked to the Empire. The Empire. So that's the bigger picture. Stirring up domestic trouble to weaken us from within. Correct. And the Ardwolves' leader, Hadi Solbay, is particularly notorious for his vicious crimes throughout the country.
He's the one who arranged the attacks by the Gofrin bandits and the callous kidnappings of young women for Count Horace. The Duke feels we can ill afford inaction when our kingdom is already in dire straits. The Ardwolves have long been elusive, but we have at last found their camp in Udine, West Centralfield. We can spring an ambush on them if we make a detour to the camp via the crags on the western side of the forest. Understood. We must vanquish them before they move camp. En vrai, les voix anglaises sont pas mal, hein. J'ai la voix japonaise, mais je pense que je vais laisser en anglais, en fait. Centralfield, forêt de Judina. Well, Addy, I had a good run, but I think the time has come to head for pastures new. Alors par contre, petite chose, mais si vous avez fait attention, on s'est fait spoiler un truc vis-à-vis de ce personnage. J'en dis pas plus, on verra si vous êtes attentif, mais... Effectivement, on a un petit spoil par rapport à ce personnage. You're leaving, Shivak, you traitor. I'll allow it. What are we, if not a bunch of drifters? I knew you'd understand, Addy. And you never know, I might come back if the fancy takes me. Don't you get cocky with me now. This isn't a brothel you come to when you feel lonesome. If only it was. Take the stuff and get lost then. We'll prepare a surprise for the uninvited guests. Over to you, Josel. We'll regroup later. The ground looks like it's glowing. Jade crystals. The Udine Forest is under royal government control. It is used as a jade mine. This is what the bandits were after all along. Donc les cristaux de jade qui nous permettent d'améliorer les invocations notamment. Most likely. Jade deposits are also said to have been found in the Regia Highlands recently. And we heard that Haddy had ties with Gofrin's bandits. The web is starting to reveal itself. Okay. Alors. De toute façon, on n'a pas plus 4 unités à chaque fois. Indeed. Almost as though they knew we were coming. Perhaps they're looking to be rid of us for good. Alors, par contre, petit détail, je tiens quand même à souligner, c'est un petit détail, on a changé les armes de nos personnages, elles ont vraiment changé. C'est pas toujours le cas. Et là, c'est un petit détail. Ça, j'aime bien. Once the patrolling guards have been dealt with, we'll take the turret. There are plenty of guards over there as well, and they're sure to see us coming. So, either we create a diversion to make an opening, or it's up to you, Ries. Just make sure you keep an eye out for things we can use to our advantage. Genre les tonneaux explosifs qui sont juste à côté? Oui. La fin des Ardwolves. Alors, bon. Jusqu'à présent, on était plutôt bon. Je vais repasser. Hop. Là, tac. Oui, j'espère que je vous ai pas manqué. Alors. C'est qu'on peut pas voir la carte. Waltakin, pour moi, elle est indispensable en vue de la magie qu'elle a et des soins qu'elle procure. On va rester sur Iscarion, notamment parce qu'il a la possibilité d'annuler une capacité d'un ennemi si jamais il est sur le point d'en lancer une. Shadred, bah, de toute façon, pour l'instant, il est irremplaçable et éventuellement... j'hésite. Après, je peux switcher, ils ont dit, hein. Je peux switcher entre les deux. On va laisser Denovar quand même en personnage de soutien à Andreas, mais du coup... besoin switchera.
C'est qu'Andreas, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il absorbe les PV des adversaires, donc c'est plutôt pas mal pour un tank. On va rester comme ça. On est parti. Dès le début, on observe. Alors, tac. Deux archers, je pense qu'ils vont venir assez rapidement. Après, ils sont tournés dans l'autre sens, je sais pas pourquoi. Là, on a ça, donc il y aura sûrement d'autres choses à faire ici. Ok, bon. La map a l'air assez grande. Il y aura plusieurs tours à prendre. Après, ils sont bas level. J'ai quelques niveaux d'avance. On va faire la technique classique. On envoie en avant. Toi, tu vas là. Vous deux, prêts à tirer à distance. Pour l'instant, on va pas être cette capacité à ou alors juste Andreas. Notamment avec une petite attaque sautée pour passer dans le dos et faire des embuscades, faire des attaques critiques. Voilà. Ah, on a débloqué une nouvelle capacité avec cette lance. J'avais pas fait gaffe. Inflige des dégâts aux ennemis dans la zone cible et déplace devant l'unité. Ah ouais. On va tester. Devant. Ah ouais, d'accord. Ok. Tête. Ok, bon, pour l'instant ça se passe bien, on avance. Allez, ok, ils font des rondes, très bien. On va essayer de trigger les archers. J'espère pas trop trigger les autres. Ok. Oui, c'est ça, tout à fait. C'était, on s'était terminé, on avait terminé la démo avec le loup dans la glace et justement en fait c'est devenu une invocation. Qu'on a débloqué la petite cinématique au-dessus là. Fenrir. Vous allez bouger vous? Understood. C'est bon, ils sont plus dans la zone d'attaque. On my way. Target eliminated. I understand. En vrai, je pense que les archers vont pas faire grand chose. Hein. On va refaire un petit assommoir histoire de le calmer. Voilà. Petite attaque sautée histoire de bien les faire chier. Voilà, comme ça il est au contact. Tu vas l'aider à le finir. On a quelques niveaux d'avance là, donc c'est plutôt simple. Mais la première mission là, en relançant le jeu, était un peu plus laborieuse. Je me suis surtout focalisé sur toutes les missions secondaires qu'on avait débloquées. On capture la tour, ça se passe bien. On a une invocation en stock, ça c'est bon. Comme ça, je te montrerai ce que ça donne, Fenrir. Alright, the gate is open. Now we can move ahead. Aye, but look. Whoa, that is a lot of guards, and they've got two turrets. Looks like they know who they're dealing with. We'll need to observe their patrol routes and time our attacks carefully. Ouais. Alors, eux, ils vont comme ça, ils avancent. Eux, je pense qu'ils vont pas bouger, ils vont rester à proximité du truc. C'est peut-être eux qui vont bouger.
Ah par contre ils vont mettre trois plans bleus. Ah mais en fait ils bougent tous. Oh, ah si alors attends, il y a moyen de faire un truc de ouf. Faut que ça marche par contre. Venez, ok. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Ouais, je pense que Bahamut fait plus de taf. Let's go! C'est pas grave, on les a tous trigger. Par contre, j'aime pas trop quand c'est la mage qui est en première position. Oh, they just died. J'aime bien comment elle dit ça. Normalement, ça inflige lenteur, mais je sais pas si c'est à 100%. C'est pas à 100%, mais ça inflige lenteur, donc c'est bon. On va se mettre comme ça. Je mets comme ça, c'est bon. Ils ont brûlure en plus. Ah bah c'est nickel, ça se passe tellement bien. Voilà, la gestion. La gestion, les gars. Understood. Very well. Understood. I've got it. Very well. C'est un cavalier, un archer, bon ça va le faire. On my way. Tu peux les récupérer un peu de magie. Tu captures la première tour, c'est bien. Alors. Oh, ça fait mal ça. Je vais d'abord m'occuper de l'archer avec l'assassin. Et toi tu vas me faire un petit assaut frontal sur le cavalier. Ouh, à moins que... Ouais non, ça vaut pas le coup. Il continue de capturer, ok on va le laisser. Un petit assassinat, et du coup comme c'est un kill à la suite de cet assassinat, c'est de nouveau prêt. Et du coup je peux en faire un deuxième pour tuer l'autre et ce sera encore prêt. Il est tellement fort. Du coup tu vas récupérer, on a une nouvelle invocation en stock, tu vas récupérer la vie. Du coup, capturer la tour. Donc l'autre est capturé, c'est bon. Ok. Next. Gate's been opened. It must be them. That seems to be the last gate. We then deal with their boss, and that. Faut commencer à récupérer le coffre avant de tuer les gars. Let's not be complacent. He's the Ardwolf's leader. Alors. We don't know what ploys he has prepared. Peut-être. Il a une invoque, je sais pas. Ce serait fort, mais c'est pas impossible. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit cercle de soins. On a encore 3 minutes, on a la moitié du temps qu'il nous a accordé pour la faire avec tous les succès. Very well. I've got it. I understand. Got it. Understood. Understood. Right away. Very well. I understand. C'est pas bien ce que je fais, mais je veux juste récupérer le coffre. On est large sinon. Oh les débiles, ils l'ont visé. Sauf que je suis plus du tout dans la zone.
Charge de cavalerie, comme ça, ça va stun tout le monde. Et comme ça, il va peut-être taper son pote. Ça se trouve, j'ai même pas besoin de la voc. Et on va le faire. J'invoque Fenrir. Ça les gèle en plus. J'aurais peut-être pas utilisé mon... J'aurais peut-être pas dû. Where is Hadi Solbay? He's not here. He must have slipped away while his underlings were keeping us busy. Blast! We fight through all the Ardwolves and still fail to get the one man we're after. Our mission is not accomplished so long as he remains alive. But we should return home for now. C'est vrai que les invocations sont assez rapides, effectivement. Ah si, mission accomplie. Ah bah je m'attendais à ce qu'il y ait plus, mais en fait là on a pris trop de level. Donc les personnages en soutien, encore une fois, gagnent moins d'expérience que s'il était vraiment sur le terrain. Lady Walterquin, you have a visitor. Who? Bah c'est... It is I, Shivat Maltzin. I do say you are looking radiant as ever. Pour les cheveux, je pense que ça vient d'un truc sur mon PC. Je sais pas. J'ai pas vu s'il y avait le même problème ailleurs, mais... The Ardwolves fall prey to the Blue Foxes. But their leader, Hadi Solbay, manages to escape. As the group considers how best to track him down, they are paid a visit by one Shivat Maltzin. He had once been a retainer for House Redditch, and more recently, a high-ranking Ardwolf. Though he showed no hesitation in divulging the location of Solby's hideout, it seems he has taken to hiding in a cave near the Riodale River in Central Field. The unit are all set to depart for the river when they receive an unexpected visitor. It is Duke Hende himself, Lord Counselor and Patron of the Blue Foxes. This is everyone, I believe. Splendid. Please be at ease. My presence should not be cause for alarm. Firstly, I must commend your efficient elimination of the Ardwolf thieves. Alas, the leader of these bandits, Hadi Solbay, remains at large. Have you been able to locate him? Fret not, Duke Hende. We have received information that he is in hiding in a location near the Riodale River. That news is very good to hear. I doubt I need to stress how vital it is that you apprehend or kill this traitor. My sources also report that he possesses jade of exceptionally high quality. You will retrieve it from him, and you will utter not a word of this matter to anyone. And thus, your true goal lies in the jade, then. As you say, I will not deny it. You will recognize it as soon as you see it. Its superior brilliance is unmistakable. Is that so? And just what exactly does your grace intend to do with this jade, pray tell? All you need to know at this moment in time, Walterquin, is that the fate of our nation depends on this mission. Such a grandiose statement. Personally, I don't care what happens to the country. Keep your thoughts to yourself, Walterquin. Ce
Stop loitering around, Shivat. Forgive me. I'm still getting used to my new environment. You do understand that we're not on your side, don't you? Once an Aardwolf. But you wanted me on your side when you asked me to join the unit. That wasn't a matter of taking sides. I merely recognized you as a potential asset, that's all. An asset? Huh. I see. Then I had better make sure that I am of use to you. Yes, you had. Perhaps I should start by entertaining you with tales of Walter Quinn's past. Later, perhaps. As you wish. Nouveau membre de l'unité, Shivat Malzin. Un jeune bandit qui change souvent d'unité. Qu'importe la situation, il fait toujours preuve d'une répartie cinglante. Magicien doué, il est spécialisé dans les sorts de restauration. En fait, ce que je disais, c'est que par rapport à tout à l'heure, quand on nous propose de débloquer des capacités, en fait, à chaque fois, on vous propose une petite cinématique qui vous montre ce que se donne la... ce que va faire l'attaque. Et ben du coup, lui, on le voyait dedans, dans une des trucs. C'est un petit détail, hein. Il y en a qui, ont, à mon avis, n'ont pas fait gaffe, mais moi, je l'ai vu. Et elle est encore moins honnête que mon perso de JDR. Lequel? Je déconne. Ok. Bah. Ah, des quêtes secondaires. Très bien. Parler au responsable du développement. Parler à l'agent du réfectoire. Ok. Et effectivement, c'est un magicien, je vais voir vite, il a soin. Ok. Lui, c'est un sort de soin. C'est pas soin rapide, c'est soin. Donc, c'est un meilleur soigneur que Walkitin. Elle crée une boule de feu qui tourne autour de la cible et qui inflige brûlure aux unités qu'elle touche. Ok. Les cercles dans vos coalescences, donc pour soigner les gens. Ok. Je suppose qu'en équipement, c'est pas fameux. Évidemment. Un bâton en baguette en bronze. Bon, par contre, il a 10 points. Oh. C'est vrai que ça peut être utile, dis donc. Temps de recharge de 30%. C'est fort aussi. Dégâts d'intimité. Ok, permet de vous soigner lorsque vous soignez les autres. Ah c'est ça, lui il peut pas soigner. Il peut pas se soigner. Il peut soigner les autres. On va y aller doucement. Augmenter d'abord les petits trucs. Ce qui coûte que 1 ou 3. Le seul à 10 pour l'instant, ça... c'est un peu craqué quand même. Augmente les dégâts de compétences 30%. Déjà, je trouve c'est fort. Augmente les effets des soins reçus de 15%. Ouais. Augmenter les PV. Hop. Là, on a 2 points pour lui, mais je crois qu'il peut rien. Il c'est minimum 3 qu'il faut. Ouais, ok. Bon, équipement pas ouf. Cela dit, on a combien en thunes? 3730. Est-ce que ça vaut le coup? En vrai, je préférais d'abord équiper bien mes unités principales. Mais on va d'abord aller parler aussi aux gars qui vont nous proposer des nouvelles quêtes secondaires. Les deux. Pour
Pourrais-je vous parler? Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai reçu des plaintes vis-à-vis de ma cuisine. Non, je la trouve passable, même si ce n'est pas de la haute gastronomie, c'est sûr. Je voudrais l'avis d'un expert. Vous en connaîtriez un? Izzy pourrait faire l'affaire. Vraiment? Vous pourriez en parler? Si ça ne vous dérange pas, je m'en charge. Voilà, donc il y a des petites quêtes. De gestion de base, etc. à côté. Alors, ces armes améliorées. Quelles sont vos premières impressions? Effectivement, elles sont convaincantes. Dans ce cas, seriez-vous tenté de passer à l'étape suivante? Pourquoi pas? Combien va-t-il falloir débourser? Vous ne tournez toujours pas autour du pot. Nous s'en sommes, mais ça va. D'accord, je me mets au travail immédiatement. Parfait. Rang 2 de développement d'armes permet la mise au point d'une nouvelle arme au développement d'armes. Oui, donc ok. Donc. Yeah! Déjà? Ah là, par contre, ça coûte beaucoup plus cher, effectivement. Je vais lui acheter une baguette. Donc on voit plus... Ah oui, là ça redonne plus de flèches. Pose de piège. Installe un piège déclenché par un fil. Les ennemis qui touchent le fil subissent des dégâts qui augmentent au fur et à mesure de la période de recharge. Ok. Ah, des archers forts contre les cavaliers. Par contre, tu perds... ouais, tu perds... quelle capacité, je sais pas trop. sinon, ah, en fait c'était ça, c'était ces cinématiques là, on nous montre que voilà, il peut être dans l'équipe. Ah, on va améliorer l'assommoir. 100% de chance d'assommer. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Ça on peut augmenter par contre. Un petit développement d'armes là. Si en vrai je pense que les archers, un petit arc spécialisé contre la cavalerie qui est jusqu'à présent, c'était quand même les plus chiantes à faire tomber, c'est pas dégueu. Évidemment, ça coûte combien? Ouf. Bah oui, forcément. Forcément, ça coûte cher. Le jeu qui n'est pas du tout généreux hein, en termes d'argent. Alors. Mm-hmm. Tu as un instant, Izzy? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Le cuisinier du réfectoire a besoin de quelques conseils culinaires. Comme tu t'y connais, j'ai pensé que tu pourrais peut-être lui donner des pistes d'amélioration. Oh, tu aimes ma cuisine à ce point? Bon, il n'y a aucun problème au niveau des ingrédients. Par contre, l'assaisonnement est trop fort. Il devrait avoir la main plus légère là-dessus. Compris, ce conseil lui fera sûrement plaisir. Ça n'a rien d'une grande révélation, mais je suis toujours contente de rendre service. Et du coup, on augmente rang de repas. Augmente l'expérience gagnée en mission de 5%. Comme quoi, faites les quêtes secondaires, c'est très utile. Et quelle heure là? 22h47, on va continuer un petit peu. De toute façon, là, côté quête, on a rien d'autre. On va continuer. What did you do before you started working for the Duke, Lorraine? My family were nobles, but of low status. All I ever tried to do was please my father. I was schooled in etiquette, taught to know my place,
At 15, my father chose a husband for me. Faudrait que je pense à voir ce qui est, ce qui déconne dans les options. C'est peut-être une option qu'il faut désactiver, hein. Ce qui fait que les cheveux là, ça, c'est un peu dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Complete my studies, and luckily the Duke's Academy accepted me as a student. A clever way of avoiding marriage. What happened next? His Grace approached me directly to ask if I would work for him. And I see. Choosing between your fiancé and the Duke wasn't much of a dilemma then. If you're insinuating romantic interest, you are mistaken. He is like a father to me. The father you would have liked to have had, by the sounds of it. Would you say you know His Grace better than most, on account of being his trusted assistant? I'm fairly confident I know him better than you do. But of course. What is it that you want from me, Andreas? Et là, c'est marrant, ça, y a pas de problème là. Nothing in particular. J'ai rien touché. Mais oui, le sentiment des cheveux, je vais voir. Oh, my apologies. Pardon, j'ai assez monopolisé la parole. Dès que vous souhaiterez, asseyez-vous. Chasse à l'homme. Parce que là, côté option graphique, je suis au max. Hein. Est-ce que c'est pas ça qui pose problème? Pire, je réglerai ça en off, on va voir, c'est peut-être ça qui pose problème, je sais pas, mais il y a des moments où ça marche très bien, hein. Il y a juste que pendant les cinématiques c'est horrible en fait. Si c'est que ça, ça va. Écoutez, sans plus attendre, chasse à l'homme. Il nous faut traquer et appréhender Adi. Leur ND ne tolérera pas qu'il s'échappe à nouveau. Il nous l'a bien fait comprendre. Vaincre tous les ennemis, tous les alliés. Terminer chasse à l'homme, ne laisser aucun allié être mis KO. Terminer la mission en 8 minutes. Attention, si on nous donne 8 minutes de temps, c'est que potentiellement la mission peut être assez vénère. Non, ça continue un peu. C'est pas grave, je réglerai ça en off. J'essaie de trouver le problème. The mighty Riodale raises in Centralfield, and then crosses Southfield on its way to the sea. That means Solby might be planning to make his escape to Southfield by boat. He cannot be allowed to get away with the Jade. Blue Foxes pounce on him in his burrow before he has the chance to set sail. He won't escape us this time, Your Grace. And, of course, we'll try not to forget about the Jade while we're at it, yes? Naturally. Alors du coup, s'il a un truc de Jade, c'est que potentiellement il a une invocation. Donc à tous les coups, on va peut-être se taper un même mob que Fenrir et compagnie. Centralfield, flanque des voleurs. Ouais, si, clairement ça sent le... It seems the blue foxes have been sniffing around, Addy. And they got the better of Jozel too. Damn them. It's like it's time for this old wolf to finish off the nosy foxes before they get in our way.
It seems that cur, Hadi Solby, has kept plenty in reserve. A frontal assault against these heavy armaments would have us as cannon fodder. Hop là. Un canon qui attaque automatiquement toutes les unités à proximité. La portée de son tir s'affiche lorsque vous donnez des ordres de déplacement à une unité, alors choisissez votre trajet en conséquence. Très bien. Attends, si je le mets en soutien... Oh oui! Oh oui, ça peut être bien ça! Un petit soigneur en plus, du coup si on le met en soutien ça veut dire que Frédéric pourra soigner, celui qui est souvent au contact. Il a pas beaucoup de magie mais au moins il pourrait soigner tout seul quoi. Quitte à ce que tu aies besoin de l'envoyer un peu solo, ça peut être pas mal. Bah let's go. Armée pose directe. Alors, il y a des choses à récupérer ici. Très important, les orbes bleus qui permettent d'augmenter la jauge d'invocation. D'ailleurs, lui, il fonce direct. Lui, il attend pas. Le canon. Ok, le canon, quand même, une sacrée portée. Il couvre. Ouais, il couvre quand même pas mal. Donc, faudra y aller au front. Ah putain, il y a ce canon là aussi. Ouais, donc, faudra l'attaquer à distance. Eh bien écoutez, ma foi. Lui, il se déplace, autant y aller. Les autres sont un peu cons, mais en fait on n'est pas dans leur zone. Donc vite, petit assommoir avant qu'il tisse sa capacité. Hop là. Il est étourdi en plus, c'est nickel. Ça dure pas très longtemps. Very well. Right away. I've got it. Alors, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça, mais bon, tant pis, on y va. Very well. On my way. Understood. I understand. I've got it. Right away. Alors, ce qu'on va faire. On t'assomme, le temps de finir celui-là, voilà, et là on y va. En vrai j'utilise pas trop mes capacités, mais on va peut-être le faire un petit peu plus. Ok. On va revenir par là. Je suis pas sûr de faire le temps qu'il faut, mais... Understood. Bon, à chaque fois que je dis ça, au final, on est bon. Right away. I won't miss. Tu vas te déplacer vite, 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 vite. Est-ce que je suis à portée? Est-ce que je suis à portée? Oui! Là, j'ai ici la capacité d'Isler pour. Pour annuler sa capacité. Ok. Là, faut qu'on fasse gaffe. Voilà, on les trigger. On les laisse venir. Si possible, avec les bons au bon endroit. Very well.
won't miss. Understood. I understand. Understood. Very well. Putain, j'ai esquivé l'attaque de justesse, quoi. Very well. Understood. Là, ce qui est chiant, c'est que les archers ils sont... Ils sont dans la zone du canon. On l'assassine. En fait, c'est la vitesse de réaction des canons qu'il faut tester. De toute façon, je suis obligé de... Very well. Understood. Ouais, donc ça tire assez vite, mine de rien. Very well. You call that an attack? Understood. I've got it. Il peut te soigner, c'est pas grave. Understood. On ouvre le coffre. Il y a de la vie à côté, donc de toute façon c'est pas mal. On my way. Very well. I understand. I won't miss. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi résistant le canon. Je peux assassiner un canon. Presque. Ce combat-là n'a aucun sens. Est-ce que je l'assomme ? Oui. Understood. On my way. Another one down. All according to plan. I understand. On a une invoque, presque deux en stock. Enfin, deux points d'invoque. Bon, les invoques qu'on a, de toute façon, sont que une. Un petit cercle, hop. Je vais garder la boucle de soin ici pour après. On a un deuxième canon à éliminer. Sauf que là, c'est pas la même. Sauf si... Je fais un truc comme ça. Voilà, nickel. Ça se passe bien. Understood. I'll take you down. On my way. J'envoie l'archer récupérer ça. Ça me permet de récupérer de la magie. Je pense que s'ils me les ont mises là, c'est qu'il va se passer des choses juste après. Parce qu'on est à tout juste la moitié de la mission en termes de temps. Par rapport à l'objectif, donc il va se passer des choses, c'est sûr. Target eliminated. What's this? Je pense qu'on va devoir se taper un mob. Un boss, pardon. Écoute, pour l'instant, des Octopath Traveler et compagnie, c'est celui que je préfère au niveau graphique. J'ai bien compris que t'étais pas trop fan du HD 2D. In any case,
des jeux Square Enix, mais là effectivement on a un mix un peu différent. Very well. On my way. C'est pas fini. It's not over yet. Moi je pensais pas qu'il y aurait plusieurs zones. Ah il est là-bas. Il a une deuxième barre de vie. Je ne pensais pas que vous seriez assez stupide pour tomber dans un piège aussi simple. Quoi ? Cet endroit sera parfait pour laisser pourrir vos cadavres. Ils sont tous à vous les gars. Quiconque en tue un sera généreusement récompensé. Right away. On est dans les temps. Ça va être serré, mais on est dans les temps. Understood. De toute façon, je referai les objectifs secondaires. Very well. I've got it. Understood. On my way. Right away. De météores sans toucher tout le monde, ce serait bien. Comme ça, ils ont brûlure en plus. Et là, éventuellement, une petite flèche. Est-ce que ça vaut le coup? Je peux toucher les deux. Ça peut être pas mal. Comme ça, ils ont lenteur. Parce qu'on a débloqué le truc lenteur assuré. Si je fais un saut frontal, je vais trigger le boss. Pas une bonne idée. Rouge. Nickel. On my way. Be gone with you. Putain, je peux refaire un assassinat derrière. I understand. I've got it. Ah mais non, en fait c'est exactement la même zone, c'est juste qu'on allait par là et puis voilà, du coup en fait on revient sur nos pas parce qu'on a rien trouvé et donc en fait il oui ok. C'est bon, j'ai pigé. J'ai cru que c'était une autre zone mais non. Pyramide fait légèrement plus de dégâts, mais un petit Fenrir ça peut être pas mal. Que ça, il n'y a pas que lui, il va y avoir forcément une douille. C'est pas grave s'il est dans le feu. Il a perdu une vie. Enfin, il a perdu une barre de vie. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on va le taper. Plus le pauvre, c'est qu'il me redonne plein de magie. C'est louche. Je fais n'importe quoi là. Ah si, je peux me soigner. Oui, c'est ça, oui, mais parce qu'on a débloqué la capacité de se soigner soi-même. Bon, est-ce qu'on n'est pas en train de le poutrer? Oula, vite, est-ce que c'est... Est-ce que ça marche? Assassinat. Next target. Est-ce qu'il y avait que ça? Ah bah oui. Nickel. Chasse à l'homme terminé.
On gère bien. Tout le monde level up un peu. Waltakin qui... Ah non, Drias a rattrapé Waltakin, tiens. Les soutiens augmentent un peu moins vite. C'est pas grave. You can't take it. Paddy Solby is done for. And we have the jade. Mission accomplished. Yeah. Avec tous les objectifs secondaires. I wonder who was buying. Some noble with deep pockets. Or perhaps not. It really is exceptionally beautiful jade. Do we have to hand it over? We follow our orders, Quinn. I believe the royal envoys are already here to collect it, in fact. Excellent work, Blue Foxes. Your efforts will be handsomely rewarded. The violence in Centralfield will hopefully end now, Haddy Solbay is out of the picture. But what about the jade, Your Grace? Where are you keeping it? What are you talking about? The royal envoys collected the jade. Did you not see? Were they royal envoys? I was sure I'd seen them at your mansion. I'm afraid you're mistaken. If Your Grace says so. Now then, I had best be off. Continue in this vein going forth, Blue Foxes. Sir! Incroyable, on a une cutscene sans clipping des cheveux. Ça a peut-être résolu le problème. The fuse of war is lit. And clashes break out on the eastern coast between royal and imperial forces. These mark the start of what will become known as the Targaryen campaign. The royals boast numerical superiority and a mastery of ancient sorcery, and initially succeed in pushing back the empire. But the Imperials respond by deploying a force of Wyvern Riders, led by their general, Zavatian. If this Wyvern aerial assault breaks the Royals' line, the Empire will make landfall. A brutal struggle ensues, with neither side willing to give an inch. Ouais, parce que pour rappel, nous on est sur une île, donc l'île de Diofield, mais il y a deux royaumes qui sont en train de se foutre sur la gueule, qui sont intéressés pour venir chez nous. Is slain, and his jade is retrieved by the royal government. Some blue foxes grow suspicious of the Duke, but given the escalation of military action, there is no time to entertain such doubts. The royals fighting the Empire in the Targaryen campaign have sent a formal request for help. Quête terminée, à pas feutré. Listen here. Yes, nous avons reçu des ordres. Des ordres urgents. L'Empire. Oui, nos lignes de front ont été percées. Nous étions censés être en supériorité numérique. Donc normalement, on était 10 000 soldats contre 5 000. Mais oui, vraisemblablement, l'ennemi à 5 000 sont beaucoup plus à l'aise. Que s'est-il passé? Le briefing devrait éclairer notre lanterne. Viens, il n'y a pas une seconde à perdre. Affrontement en Eastfield. Yeah. Une petite sauvegarde. Curie est toujours dans le chapitre 2. Hein. Ouais. Donc les chapitres sont quand même un peu plus longs. Là au triangle stratégie, généralement c'était un chapitre avec un combat conséquent. Et à la fin de ce combat conséquent, généralement on passait au chapitre d'après. Donc là je pense que ouais, les chapitres sont beaucoup plus vénères. Alors parler à Waltakin et parler à Shivat. Ok. Bon, ça c'est de l'argent et. C'est de l'argent facile ça. En plus, les deux sont côte à côte. C'est nickel. Donc pareil, ça c'est du secondaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais...
L'argent se fait rare dans le jeu. C'est quand même un bon moyen d'en apprendre plus et d'être récompensé pour avoir pris le temps d'en apprendre plus. Well, well. So you have some interest in me after all. You previously worked for House Redditch and occasionally associated with bandits. How did you come to be so well versed in ancient sorcery? I wouldn't say I'm well versed. I only picked it up because I thought it would put food in my belly. It's no different to how knights and mercenaries train in order to make a living. That makes sense. Could you tell me more about your experience of working for House Redditch? Well, I had hoped it would help me develop my ancient sorcery skills, to be honest. Il y a toujours un problème avec les cheveux aussi, hein. Their daughter was conducting research into it after all, but I soon gave up on the idea. You see, the strain of sorcery she was researching is as dark as it comes. Oh, is that so? What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. Only that it's far beyond my reach. Or rather, that it's something I dare not touch. I just realized that you remind me of her. Lady Redditch, that is. What do you mean? Oh, nothing. It's just a feeling, that's all. Dialogue qui a duré moins d'une minute. Ouf! 1000. Ça augmente mon rang d'unité. On va faire la même chose avec Walta Queen. Walta Queen. You aren't courting, are you, Andreas? Pardon? That's none of your business. Sounds like a no. I might consider stepping out with you, if you shared all of your secrets with me. I have no secrets, and no desire to step out with you. Friend zone. You're so full of lies. It's part of your charm, though, I suppose. Stop your prattling. If it's marriage you seek, surely your family can find some rich boy for you. Alors je crois que ce qui reste de sa famille, il reste pas grand chose. Je crois que c'était dans le chapitre 1, on a fait une mission où les membres de sa famille ont... C'est mort, quoi. Ils sont dead. Alors on pense. C'était avec l'invasion des morts vivants, là on sait pas d'où, et puis bah... Il manquait des gens. Je sais plus, c'est soit il manquait des gens, soit ils sont morts, je sais plus. You'd rather have me, would you? You're finally getting it. We fit so well together. A secretive man and a woman who can't keep things to herself. You think that's a good match? Ah, so you acknowledge that you do have secrets after all. I was only borrowing your phrase. I was... No. Enough of this. Really? When I was having fun. Alors rentre dedans, allez, rentre dedans. N'hésite pas à le foutre mal à l'aise. Mais bon, ça rapporte. T'en as 5000. On a 5000. Alors, est-ce qu'on n'améliorerait pas un peu tout ce qu'on a débloqué là, plutôt que d'en débloquer des nouvelles? En soi, ça améliore déjà, mais... Ça augmente les dégâts, très bien. Développement d'armes. On n'a pas assez de matos. Ici, on a assez. On a de la portée des effets. Pourquoi les dégâts infligés, 20%. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et au moins on a un damé qui tape fort.
Augmente la vitesse d'attaque, augmente la technique. On a deux, un seul point, c'est pas suffisant. Deux aussi, deux. Bon bah, maintenant faut compter par trois les points. Et donc, voilà, on peut. Ah, c'est bien ça. On voit aussi du coup les quêtes secondaires qui ont permis d'avoir des nouveaux persos. Dans le chapitre 3, il y en avait quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six, plus une septième en mode. Secondaire. Donc cette mission quand même pour la Nemo, c'était pas mal. Là, on en a fait 3 plus 2 secondaires. Enfin 3 secondaires parce qu'il y a celle du personnage. Mais comme quoi effectivement les chapitres sont plus longs. Allez, quelle heure? 23h20. Est-ce qu'on partirait pas sur une dernière mission pour cette session? En vrai. Affronter l'avant-garde impériale qui a attaqué le port, isolée, elle n'opposera pas trop de résistance, donner une bonne leçon à l'Empire. Une seule victoire, vaincre tous les ennemis, barricade détruite. On a déjà fait ce genre de mission. Tous les alliés vaincus. Ok, et il y a un coffre à récupérer. Bon, bah écoutez, on part sur cette dernière mission pour la session. Et même en désactivant le FAI et le FFX, ça n'a pas résolu le problème, donc c'est pas ça. L'Empire a tenté de briser notre flotte off the Tagarian coast in order to make landfall at the naval base. Fortunately, Prince Ivangar's elite squad was able to hold the line and push the Empire back. Currently, the naval battle is in a deadlock. Though it does seem that some Imperial units have made it ashore. We too are to answer the Kingdom's call. Ready up and depart for the base. We've finally been called up. I never imagined we'd be fighting in a full-scale war. Ultimately, your main objective is to assist the army. You are to provide reinforcements for the front line. En route to the base, however, you will also need to defeat units headed in this direction. You will take the Jacquerie Highway from Central Field towards Tagaria. Expect to encounter the Wyvern Riders gathered near Bald Great Bridge at some point. Hmm? Wyvern Riders? They are knights mounted on winged creatures, wyverns, who nimbly attack from above. I believe that is a job for your bow and arrows, Iska. The Blue Foxes are counting on you. Now more than ever. Not a thought that brings me joy. Well, the way I see it, the war looks bleak. Especially if we're being called up to fight. Look at it this way. This is a rare opportunity to show what we can do. You have such a yearning for war. I can't comprehend it. Enough, Iska. We're to make for Eastfield at once. Okay. Nouvelle zone Eastfield, Grand Pont de Bold. Ok, bon, pour l'instant niveau 10, ça va. They must not be let through, lest our presence be for naught. We shall not buckle. Not a man shall get past. T'es en train de me dire que les canons, je vais pouvoir les utiliser? The stench of gunpowder and roar of cannon fire. It really feels like war. Stay focused, Quinn, or you'll end up on the floor. My focus is not in question. My every sense is honed. Vaincre tous les ennemis, donc faut éviter que les barricades soient détruites, je pense que ce sera pas trop un problème, et tous les alliés vaincus, bien entendu, ça n'est jamais arrivé. Ça aurait pu plein de fois avec Fenrir, mais ça, c'est jamais arrivé.
En vrai, c'était pas mal, hein, je pense, comme ça. Ou alors... faire comme ça, peut-être. C'est quand même assez rare qu'elle soit au corps à corps. Et c'est elle qui a le plus de ma vie, donc si je veux soigner vite... Voilà. Là, ouais... Tac, tac, tac... Let's go! Ah oui, alors ça commence direct. Alors visiblement, les canons, non, je les contrôle pas. Alors je pense que ils vont d'abord arriver de front et après ils vont arriver de tous les côtés. Il y a un coffre à les récupérer, bien entendu. Mais vous savez quoi, je vais aller les récupérer maintenant. Je suis un fou. Very well. Tant pis, on fait sans le cavalier, mais en fait on profite que pour l'instant les ennemis soient faibles. Pour aller récupérer le coffre. Écoutez, Bab, merci beaucoup d'être présent, d'avoir été présent ce soir. Bonne nuit à toi, bon courage pour ceux qui travaillent demain. Et du coup, tout ce qu'on fait là ce soir sera disponible en rediffusion de toute façon. Ah oui, donc lui il m'a trigger en fait. J'ai trigger le gars. Petite attaque sautée là, ils sont pas très résistants. Pour le moment. On my way. Go. Very well. Il vient de positionner. Il l'a et tu vas leur foncer dessus, mon gars. Attends, ils vont tous dire ça à chaque fois qu'ils vont mourir. Ça va être chiant. On my way. Understood. Understood. Bon, première phase terminée. Voilà, et voilà, évidemment. The enemy continues to advance. Do not let them reach central field. Very well. I've got it. I understand. Understood. En vrai, ouais. Chaud là. Ah, attendez. Après, on a les invoques. Est-ce que ça suffirait à les tuer? Complètement en fait. Après, là, ils sont un peu plus vénères quand même. J'aurais peut-être dû garder, je sais pas, tant pis. Le nombre de fois où j'ai gardé, au pire on a pas eu le temps de les utiliser. Tu vas faire une petite attaque sautée là-bas, oui, tout à fait. Voilà, on récupère ça. On peut essayer de garder. Attends, c'est qui fait une technique là? Merde, c'était l'autre. Arrête de répéter la même chose. Oh, alors attendez. Est-ce qu'on peut tricher?
Non, on peut pas soigner les canons. Ça aurait été drôle. Another one down. All according to plan. Understood. Oh, they just died. The king's men are putting up a fight. It seems my comrades need me. That's a Wyvern rider. Watch out, everyone. Wait. They're approaching on foot as well. Évidemment. Bah oui. Yes, yes. There's no need to keep repeating yourself. Est-ce qu'on a besoin de se séparer? Je pense pas. Je pense pas qu'on ait besoin de se séparer. On va faire ça correctement. On les laisse venir à portée. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Ça va être mieux comme ça. Et là, regardez, hop, on bute les trois, donc ça c'est fait. De ce côté, c'est bon. On a encore une invocation de toute façon. Là, on se met en genre position comme ça. Le canon il continue à faire des dégâts. On va faire peut-être une charge de. Non, on va pas faire une charge. Voilà, nickel. De toute façon, il nous reste les potions au pire. Bien, ça se passe bien. Par contre, je sais plus combien de temps il fallait. Tu te calmes. Tu te calmes, voilà. Ah, ils ont quand même détruit le truc, hein. Il y a d'autres renforts qui arrivent de façon inopinée. Ça va le faire. This isn't really my style. Ça touche les deux là ? Ouais, ça touche les deux. Ah, par contre, ouais, à chaque fois, hein, à chaque fois, ils font le tir. Ah, comme ça, il a à portée de canon toujours. Et là, on le finit, quoi, mais il va rien comprendre. Il y a une zone d'effet qui croit rapide. Oh, oui, bon, oui. Understood. Very well. Understood. Very well. Understood.
push forward. Tata, tu restes là. Tu restes là. I understand. Be gone with you. Got it. On my way. Got it. I won't miss. Allez, on finit correctement. Là, ça se trouve, il y en a un deuxième qui arrive. Je pense pas en vrai. Ben voilà, easy win. First try. Oh, on était large. On était large. Niveau 17. Andreas qui fait l'heure complètement le taf. On va peut-être remettre Donovar un peu. Ouais, Isdar aussi niveau 14. Ok, bah nickel. Well, well. What is it, Izzy? Have a look at the saddle. It's broken now. But is this how they control the wyverns? That's jade. Not too dissimilar to the pure stuff we came across recently. The jade we recovered from Hadid, you mean? This is a little duller, but I can see the similarity. It doesn't seem that ordinary jade would activate the saddle. You know, I think this might have been what they used to incite the demi-humans' rampage. You wouldn't need to know any ancient sorcery to use this, right? No. Hmm. What is it, Izzy? It's usually impossible to get a demi-human or a monster to obey you. This changes everything. I'd be grateful if you kept this discovery to yourself, Izzy. Oh. All right. Hello there. Hello there. Ah yes. Pensez à Obi-Wan. In any case. Nous sommes certes habitués à plus de confort, mais elle fera parfaitement l'affaire. S'il faut enchaîner les batailles, nous n'aurons pas le temps de rentrer à la base. C'est vrai. Allons, tout le monde n'attend plus que nous. Commençons le briefing. Oh. Ok. Eh bien écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Je pense. Quand même checker. Vite fait, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session qui aura duré quand même 3h30. Ça se trouve, c'est la dernière mission du chapitre. Ah, mais en plus, on a débloqué des nouvelles quêtes secondaires. Eh ben écoutez, je ferai ça en off. Bon, on se garde ça pour la prochaine fois. Je pense que ce stade, c'est encore. Ça reste encore faisable. Vous me direz éventuellement en commentaire aussi pour ceux qui verront ça sur YouTube. Hein, tout sera disponible.
pratiquement, du moins toutes les sessions live. À voir, du coup, c'est à vous de me dire si je dois laisser les quêtes secondaires ou je me focalise uniquement sur la quête principale. Merci d'avoir suivi. Merde, du coup, je peux repasser en... Voilà. Je disais donc merci d'avoir suivi cette session de presque 3h30 sur The Diophile Chronicle. Donc, ouais, je vais voir comment je découpe tout ça. Vous me direz en commentaire si j'ai besoin de me focaliser sur l'histoire principale ou alors vous voulez aussi toutes les quêtes secondaires. Parce que les chapitres sont beaucoup plus longs. Je m'attendais pas à des chapitres aussi longs. Enfin, ça aurait pu être comme Triangle Stratégie où un combat égale un chapitre globalement. Là, c'est pas le cas. Comme je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'arrête un chapitre, je pense que l'idée de faire une vidéo un chapitre, ça risque d'être un peu trop compliqué et un peu trop long à faire en termes de durée. Donc, on va essayer de découper comme on peut. Merci d'avoir suivi. C'était le Legal29.rpg Universe. À très vite pour la suite. Donc demain vendredi, bah peut-être qu'on continuera tout simplement demain soir si j'ai rien de prévu. Et sinon, bah, je vous souhaite une excellente fin de soirée à vous. Merci d'avoir été présent. Merci pour ceux qui suivront ça. Merci aussi pour vos retours en ce moment sur YouTube. Vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. À commenter aussi, c'est top. Et à très vite pour de nouvelles aventures sur Diophile Chronicle.